Bonjour, nous sommes devant le conservatoire intercommunal. Ben, je vous propose de commencer la visite. Allez, venez. Alors, nous nous trouvons dans le hall du conservatoire, un établissement qui accueille chaque semaine 650 élèves, 34 professeurs, le secrétariat, le bureau de Frédéric où on peut réserver et venir chercher ses places pour les nombreux spectacles que nous donnons tout au long de l'année. Bref, un hall très accueillant qui sert aussi de salle d'attente. Et nous allons commencer la visite. Descendons, rez-de-chaussée bas, les classes d'instruments. Bonjour Virginie, on s'excuse de vous déranger en plein morceau. Pas de soucis, j'ai une répétition en quatuor dans quelques instants avec mes collègues altistes, violoncelle et contrebasse. Donc là, nous allons être en quatuor à cordes. Donc c'est de la musique d'ensemble, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait de la pratique d'ensemble proposée à tous les élèves qui pratiquent un instrument au sein du conservatoire? Donc c'est très important, car cela permet aux élèves d'apprendre, de ressentir le plaisir de jouer à plusieurs. Et cela crée une émulation motivante dans l'apprentissage de l'instrument. Merci Virginie, bonne journée. Nous allons voir Marc Sachutz. Bonjour, bienvenue dans la salle de flûte traversière. Et en plus, vous avez de la chance aujourd'hui, car je suis accompagné de mes collègues et mes amis du département vent du conservatoire. Il y a deux grandes familles d'instruments à vent au conservatoire. Il y a la famille des cuivres, les cuivres qui se jouent avec une embouchure. Alors dans la famille des cuivres, du plus aigu au plus grave, on a les trompettes, on a le corps d'harmonie, on a le trombone et on a le tuba. Et puis la deuxième grande famille des instruments à vent du conservatoire, c'est la famille des bois. Et alors curieusement, aujourd'hui, il n'y a guère plus que la clarinette qui est en bois, mais le saxophone fait partie de la famille des bois, la flûte traversière fait partie de la famille des bois, et sa petite cousine, la flûte à bec, qui elle, fait partie de la famille des bois et qui est encore en bois. Tous ces instruments peuvent être commencés au conservatoire dès l'âge de 7 ans et on peut pratiquer ces instruments tout au long de sa vie. Et donc je voulais aussi vous parler d'une nouveauté de la rentrée 2020-2021, ça va être la mise en place d'un atelier de travail d'accompagnement à destination de tous les élèves qui le souhaitent, qui sera centré sur la posture, le travail des postures à l'instrument, de manière à progresser harmonieusement dans son apprentissage et sa pratique. Bonjour Kevin. Salut. Et depuis quand tu travailles au conservatoire? Eh bien, je suis arrivé en 2008. Et je me souviens, à l'époque, j'avais deux missions. La première, c'était la coordination des musiques actuelles. Donc avant, c'était juste un local, et puis de fil en aiguille, c'est devenu un vrai département du conservatoire, où les plus grands élèves peuvent apprendre à jouer de la basse, de la guitare, de la batterie ou du clavier. Et j'avais une deuxième mission, c'était d'encadrer les percussionnistes au Kids Orchestra, avec Julien. Et on appelle ça l'orchestre du développement durable, parce qu'on n'utilise pas de partition. On fait tout par oralité. Je joue, vous répétez, je joue, vous répétez. Et ça marche tellement bien qu'on a même fait la même chose au Collège de la Ville Rose avec des collégiens qui n'ont jamais fait de musique. Très bien. Alors poursuivons la visite, nous allons remonter, prendre l'escalier, rez-de-chaussée haut, la salle d'art dramatique, la salle Hieronymus. Alors Thierry, c'est ici les répétitions de théâtre? C'est ici qu'on travaille le théâtre, l'art dramatique. On y travaille la voix, on y travaille l'articulation, on y travaille le texte, la culture générale, bien entendu. On y travaille aussi le maquillage. On a un poste de maquillage dans cette salle où on a l'espace suffisant pour pouvoir travailler aussi le rapport à l'espace scénique. Et puis, on y travaille aussi les spectacles interdisciplinaires. Costumes. Les costumes, bien entendu. Merci, les costumes. Et puis, la danse. Les élèves de théâtre les plus grands travaillent la danse, travaillent aussi du chant. Et puis, on y joue. On joue, c'est ce qu'on fait ici, au théâtre, on joue. On joue et on joue toujours. Ça, c'est quelque chose d'important. J'appuie toujours là-dessus. On joue avec l'autre. On ne joue jamais contre l'autre, on joue avec. Et ça, c'est capital. Une belle promesse. Parfait. Venez entrer, on va voir Violaine.
Bonjour Violaine. Bonjour Frédéric. Violaine, c'est dans ce beau studio Béjart que l'on pratique la danse classique? Oui, effectivement, ici on pratique la danse classique. À partir de 5 ans, on accueille les élèves en éveil, puis en initiation. Et ensuite, les élèves peuvent choisir entre le classique, le jazz, le contemporain ou le hip-hop. On fait également des ateliers et des cours de bar à terre. À certains moments de l'année, on va rejoindre les musiciens ou les comédiens pour faire des spectacles en partenariat. Et on se retrouve en fin d'année pour le spectacle au Théâtre de Verre. Merci Violaine. Claire doit être encore là au fil de salle Paul Le Flemme. Bonjour, ici on chante. Vous savez peut-être que les enfants du territoire bénéficient d'interventions dans leurs écoles avec donc tous les musiciens intervenants du conservatoire où ils explorent la création instrumentale, le rythme, l'expression corporelle et le chant. Et le chant, donc ici au conservatoire, où, avec le département voix, qui présente de multiples activités variées, comme la maîtrise, la chanson française, les chœurs fixes dans toute la formation musicale, et les petites voix pour les plus petits, et les chœurs de scène. Une aventure artistique basée sur la chorégraphie, la théâtralité et le chant. Une belle aventure, une belle école de vie, où les uns et les autres trouvent sa place et leur voix. Un plaisir exigeant, ouvert à tous. Alors, toutes ces activités, chant, danse, théâtre, musique, se mettent en scène, par exemple à l'auditorium. Suivez-moi. Alors, nous sommes revenus dans le hall et nous allons découvrir l'auditorium, un lieu très feutré, un lieu très agréable, prisé par toutes les familles, les élèves, les professeurs. Allez, venez. Les élus communautaires ont toujours voulu faire de la culture une priorité sur le territoire. Le conservatoire intercommunal est un des fleurons des équipements dans le cadre de la politique culturelle. Ce qui est aussi très important sur le territoire, c'est la tarification qui est accessible à égalité pour tous les habitants de notre intercommunalité. Donc n'hésitez pas à rejoindre les 34 professeurs qui sont à votre service dans notre conservatoire.